Des étudiants surpris en situation de formation ici au campus universitaire d'Abomey-Calavi. Coiffure, couture, dessin, danse, chorégraphie et bien d'autres occupent ces apprenants. Tous sont membres de l'ensemble artistique et culturel des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Club UNESCO universitaire pour la paix qui accueille en août prochain un grand rendez-vous artistique et culturel, le FESCUAO, Festival culturel des clubs UNESCO universitaires d'Afrique de l'Ouest. La Fédération béninoise des associations et clubs pour l'UNESCO est donc ici pour s'enquérir du niveau de préparation de ses protégés. Il y a exactement 21 ans, nous étions dans votre position. Et c'est normal que, puisque vous avez maintenu le flambeau, et que l'événement est revenu au Bénin, nous puissions venir vous dire tous nos encouragements. Nous comptons sur vous. Continuez pas à travailler dans la discipline et la fédération est à vos côtés. Le ACE se dit prêt pour maintenir haut le flambeau du Bénin à ce rendez-vous culturel des étudiants d'Afrique de l'Ouest et espère l'accompagnement du gouvernement. Nous sommes à l'œuvre. Nous poursuivons toujours les préparatifs et d'ici le début du mois prochain, nous serons en résidence de création pour 2 semaines pour quand même renforcer l'existant et étoffer cela de sorte à pouvoir vendre au mieux le Bénin dans la sous-région. Mais ce qui constitue le véritable problème pour nous aujourd'hui, c'est le matériel. Le matériel, on ne peut rien faire de bon sans du matériel adéquat indiqué. Le FESCUAO, c'est du 22 au 31 août prochain. Sont attendus à Cotonou plus de 500 jeunes de 5 pays ouest-africains. Le Togo, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Une troisième fois dans l'histoire du festival au Bénin.